Ça va aller, ça va aller. Ça va, ça va. Et donc quand tu t'es aventuré, tu voulais la paix. Mais la guérilla a continué comme ça. Bon merci, ça suffit. Tu voulais la paix. Tu voulais la vérité. J'ai dû rembobiner. Bah ouais, t'as fait confiance à l'écoute. Bah ouais, tu veux mon fun quand je dors. Bah ouais, ça te fera, c'est ta main, c'est ta main. Bah ouais, j'ai vu la robe. Quand tu te
touche pas, Louloud. Non, c'est bon. Ok. Tu l'as mis? Non. C'est bon. Mais moi, je n'avais pas mis celle-là. Okay. Non, tu touches pas. Tu touches pas. Un petit mot pour le marié, s'il vous plaît. Un petit mot. Félicitations. Ah ouais. Un petit mot pour le marié. Ça va être béni de Dieu. Alléluia. Lisa, ton mariage est béni dans le nom de Jésus. Les gens vont juste voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, dans votre couple. Alléluia. Alléluia. C'est juste un secret. Un petit mot pour le mariage. Félicitations, merveilleux. Ça va être merveilleux, magnifique, glorieux. Hey!
Jesus, every day that you got right in me. Humbling up with the heavenly blessings that he might receive. God, in every service, he's always been part of me. Hello. Thank you. Avec le nom, mon Dieu.
il se fait pas trop près parce que quand il filme que je te vois dessus, je peux pas y mettre. À ta grandeur.
Merci beaucoup. Gloire à Dieu, nous t'adorons. Et en fait, l'adoration, c'est plus qu'un chant. Vous le savez, hein? À l'église, on peut avoir un temps de louange, ensuite un temps d'adoration où on entre vraiment dans les parvis de Dieu. Et c'est vrai, ça. Mais la vraie adoration, en fait, c'est de vivre tous les jours pour Dieu. Donc, il y a une différence entre vivre une religion et une relation véritable avec Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Lisa et Cédric ont décidé de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une question d'aller à l'église seulement, mais c'est de vivre tous les jours pour le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler, avant d'aller au vœu et à la portion où on va vraiment sceller cette union, mais on va juste passer quelques temps dans la parole de Dieu. Je vais commencer dans Marc chapitre 10, au verset 6, où nous lisons « Au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un, ou les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ne sont plus deux, ils font un. » Et quand on parle du mariage, on parle en fait de la première institution que Dieu a créée dans le Jardin d'Éden. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu, premièrement, a même créé l'humanité? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'être humain? Mais la Bible nous dit que Dieu est amour. Vous savez ça, hein? Vous avez déjà entendu parler que Dieu est amour. Mais Dieu est amour, mais quelqu'un qui est rempli d'amour, il veut aimer quelqu'un. Tout comme Cédric veut aimer Lisa, et Lisa veut aimer Cédric. Mais Dieu, lui, qui est amour, il voulait aimer des créatures. Donc, il a créé Adam et Ève. Et puis, il voulait que cet amour soit réciproque. Il voulait que ce soit un amour où le Seigneur expérimentait lui aussi un retour. Donc, ce n'était pas l'amour forcé, mais c'était un amour par choix. Donc, Dieu a créé l'être humain, l'homme et la femme. Et donc, il a béni cette union dans le mariage. Et ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 5, au verset 25, nous lisons un texte ici où l'apôtre Paul nous a dit, « Marie, il a dit aux hommes, « Marie, aimez vos femmes, mais... » Il n'a pas simplement dit « aimez vos femmes », il nous a dit « comment aimer nos femmes ». Vous savez, ce qui compte vraiment pour une épouse, c'est ce sentiment d'amour. Et ce qui compte véritablement pour l'homme, même si l'homme veut être aimé, le mari aime être aimé, n'est-ce pas? La première chose qu'il recherche, en fait, c'est l'honneur. C'est vraiment, si vous voulez, régler des défis que vous avez peut-être dans votre couple, mesdames, mes sœurs, aimez et honorez vos époux. Mais premièrement, l'honneur, c'est ce qui compte. Premièrement, une femme qui marche dans le déshonneur, elle travaille pour détruire son couple. Et un homme qui veut bâtir son couple, il va vraiment rassurer son épouse pour qu'elle se sente aimée en tout temps. Certainement, quand on parle de l'amour, on parle de l'honneur également. On ne peut pas déshonorer notre femme et l'aimer. Comprenez? Donc, l'amour et l'honneur comptent dans les deux cas. Mais on comprend que la femme, elle, veut vraiment ressentir de l'amour avant même autre chose. Donc, Dieu nous dit, « Marie, aimez vos femmes » comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et nous savons que Christ a donné sa vie pour son Église et c'était vraiment un amour radical où l'homme, en fait, est appelé à aimer son épouse à un tel point où il serait prêt à mourir pour son épouse s'il devait mourir. Et avant de me marier, je me suis posé la question, avant de savoir si mon épouse Mathilde, que vous avez entendu chanter, je me suis posé la question avant de me marier, est-ce que j'aime Mathilde à un tel point où je serais prêt à mourir pour elle? Et quand j'avais la réponse, oui, absolument, je l'aime à un tel point, je savais que c'était mon épouse. Je savais, c'était comme ça que j'ai eu ma confirmation que c'était la femme de ma vie parce que j'étais prêt à mourir pour elle. Donc, mon frère Cédric, ton appel, c'est d'aimer Lisa à un tel point que tu serais prêt à mourir pour elle. Si jamais il y avait un bandit qui arrivait, qui voulait attaquer, vous attaquer dans votre foyer, tu dois défendre ton épouse. Tu dois la défendre. Amen. Okay. Ce n'est pas Lisa. Ce n'est pas Lisa qui va aller défendre son mari, hein? C'est le mari qui va défendre son épouse. Il va en prendre soin. Et prendre soin des enfants, de toute la famille. Donc, c'est ça que Dieu nous appelle en tant que mari. Vraiment aimer d'une façon radicale. C'est un amour extrême. Et quand on parle, en fait, de l'amour de Dieu pour nous, des fois, les gens se posent la question, mais pourquoi on entend parler de ce Jésus qui est mort sur la croix? Nous, les chrétiens, on comprend en fait que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix,
c'était vraiment l'amour extrême. Il a donné toute sa vie pour qu'on soit sauvés. Mais on parle du salut, on parle du pardon de nos péchés, mais comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Parce que si on veut bâtir notre vie, notre foyer, notre couple sur cet amour divin, on doit comprendre en fait l'amour qui vient du Père. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, qui est mort sur la croix pour payer notre dette du péché. Chaque personne a une dette envers Dieu. Chaque être humain, quand on arrive dans ce monde, on a tous reçu la tâche originelle du péché. Vous savez, vos enfants, vous n'avez jamais été obligé de leur dire comment faire des mauvais coups. N'est-ce pas? Si vous êtes un parent, vous le savez que vos enfants apprennent naturellement comment défier votre autorité. Est-ce que c'est vrai ça? Vous ne dites jamais, voici comment désobéir mon enfant. Non, les enfants apprennent comme ça, tout à fait naturellement. Pourquoi? Parce que la tâche du péché, la tâche originelle du péché est là. Et Dieu qui voulait sauver l'humanité, en fait, il nous aimait tellement, il nous a laissé le choix entre le bien et le mal. Et on comprend que Adam a choisi le mal, il a choisi le péché. Et là, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas vrai ça? Le péché mène à la mort, et la mort spirituelle, la mort physique, tout ça, qui n'était jamais dans le cœur de Dieu. Ce que Dieu a fait, par amour encore une fois, il a dit, j'aime tellement l'humanité, non seulement je réalise que le salaire du péché, c'est la mort, mais je vais payer moi-même leur sentence. Donc, ce que Dieu a fait, il est venu ici sur la terre dans la forme de Jésus-Christ, un homme qui n'a jamais commis une seule faute, jamais commis un seul péché, afin de recevoir en fait la punition des pécheurs. Ça, c'est vous et moi, avant de connaître Jésus-Christ. Ce qui s'est produit à ce moment-là, Jésus est mort sur la croix, lui qui était innocent, payant la dette de tous les coupables. Et quand on croit que Jésus l'a fait pour nous, c'est alors qu'on peut être pardonné de tous nos péchés. C'est comme si vous allez au restaurant, vous mangez un bon repas, un repas succulent, et là vous arrivez pour payer à la caisse, et puis la serveuse vous dit « Monsieur, madame, votre repas a déjà été payé. Quelqu'un est venu payer à l'avance pour vous. » Et vous allez dire « Ah, c'est merveilleux, un repas gratuit. » Bien, Dieu nous offre un banquet des noces spirituelles où Jésus a déjà payé pour notre pardon. Ceux qui vont au ciel, ce ne sont pas ceux qui sont meilleurs que les autres. Ce n'est pas les bonnes personnes qui vont au ciel. Les personnes qui vont au ciel, c'est les personnes parfaites. Est-ce que vous êtes parfait? Non. Mais pour aller au ciel, vous devez être parfait. Il n'y a personne de parfait, donc nous devons être parfaitement pardonnés. C'est comme ça qu'on peut aller au ciel. Donc, ceux qui vont au ciel un jour, c'est ceux qui ont réalisé qu'ils étaient imparfaits et qu'ils avaient besoin d'être pardonnés de tous leurs péchés. Et c'est ça qui se produit lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ. On dit, je crois que tu es mort sur la croix pour que je sois pardonné de tous mes péchés. Toi qui étais innocent, tu as payé la dette des coupables comme moi. Et là, ce qui se produit, on lui donne notre vie, sachant non seulement qu'il a payé la dette du péché, mais il a défié la mort. C'est le seul être humain, après 3 jours, il est revenu à la vie, prouvant qu'il était victorieux sur la mort. Et si on se marie dans l'Église, c'est parce que nous croyons à notre chef, le chef de l'Église, son nom est Jésus-Christ. Amen. Le mariage, ce n'est pas un contrat qu'on signe. C'est une alliance devant Dieu. Quand nous marions un couple, comme on va faire aujourd'hui, quand on marie un couple, pour moi, je considère que c'est quelque chose de solennel et de sacré devant Dieu. La première question, dans le premier cours de préparation au mariage, la première question qu'on demande aux deux personnes, c'est si elles sont prêtes, en fait, si elles mouraient aujourd'hui, est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce que ces deux personnes-là sont prêtes à rencontrer Dieu? Parce que la chose la plus importante, c'est on marie l'époux, l'épouse avec Dieu. Un mariage, c'est toujours à trois. Amen. Dans l'Église, c'est toujours à trois. Un mariage véritable que Dieu reconnaît. Dieu fait partie de l'équation. Et puis, c'est ça qui est merveilleux. Dans Ecclésiaste, chapitre 4, au verset 12, nous lisons « Une corde à triple brin n'est pas vite rompue, ou la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Ce qui veut dire, admettons, vous avez trois cordes, mais une corde à trois brins, elle va être plus solide qu'une corde à deux brins, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Quand vous avez un homme, une femme et Dieu, peu importe les défis de la vie, peu importe que ce soit des vents contraires, peu importe des attaques, peu importe, quand Dieu fait partie de votre couple, vous pouvez demeurer solide. Quand vous êtes fondé dans l'amour de Dieu. Donc, pour aller au ciel, c'est facile, hein? Pour aller au ciel, ce qu'on a besoin de faire, c'est être pardonné de tous nos péchés. C'est de recevoir celui qui a tout payé pour nous, par amour,
il a payé lui-même notre dette de péché. Mais si on refuse ce paiement, nous sommes toujours endettés. N'est-ce pas vrai, ça? Si je refuse le paiement de Jésus-Christ à ma place, je suis toujours endetté devant Dieu. Et quand je vais comparaître devant Dieu, il va dire, tu es rempli de péchés. Personne ne peut entrer au ciel avec des péchés. Parce que si nous arrivons tous avec nos petits péchés, au ciel, ce qu'on va retrouver, c'est plein de péchés. On va retrouver la terre au ciel. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Le cœur de Dieu pour nous, c'est qu'on expérimente son amour, la paix, la joie, la bénédiction tous les jours de notre vie. Donc, aujourd'hui, Cédric et Lisa, ils veulent bâtir leur vie sur Jésus-Christ. C'est un foyer chrétien qui est en train d'être établi aujourd'hui. Ce n'est pas un contrat, comme j'ai dit. Aujourd'hui, les gens ont signé un contrat pour louer une voiture, signé un contrat pour acheter une maison. Et des fois, la notion, c'est qu'on peut signer un contrat pour se marier. Non, ça, c'est une notion qui n'est pas dans la Bible. Mais la notion biblique, c'est qu'on s'engage solennellement devant Dieu et on s'engage pour la vie. C'est ça qui est merveilleux. Et quand on s'engage pour la vie, on se prépare peut-être, tous les jours ne seront pas des journées où ça va toujours bien. Il peut y avoir des moments difficiles, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes dans la foi, nous savons que le Seigneur est avec nous, nous allons poursuivre dans notre vie et on va se soutenir mutuellement. Donc, Dieu vous appelle ensemble à vous aimer. Et toi, Cédric, Dieu t'appelle à aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Être prêt à mourir pour elle. Ça ne veut pas dire mourir physiquement, forcément. Peut-être c'est mourir des fois à certains projets personnels par amour pour la famille. Et pareillement, Dieu nous appelle tous à mourir à nous-mêmes et s'aimer véritablement, passer les intérêts de la famille au-devant de nous-mêmes. Donc, c'est absolument merveilleux. Quand on fait ça, bien, on va vraiment vivre la vie chrétienne, heureuse, en couple, en famille. Moi, je peux vous dire, vous témoigner que j'ai décidé de placer ma vie entre les mains de Dieu et depuis 20 ans, je suis marié avec une épouse merveilleuse. Je vous souhaite d'être encore aussi heureux, mais encore plus heureux que Mathilde et moi. Nous sommes heureux et bénis. Amen. Gloire à Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vous soyez solide et béni. Parce que comme vous savez, comme on prêche ici à l'Église, Dieu est un bon Dieu. Et quand Dieu unit un homme et une femme, c'est une bonne chose. Il dit que c'est bon et puis il veut déverser sur votre vie sa bénédiction à tous les niveaux, à tous les niveaux. Que vous soyez toujours bénis, en santé, dans la paix, dans la joie, dans toute la provision de Dieu. Ça, c'est votre portion. Et ce qui me réjouit, depuis l'arrivée de notre sœur Lisa, qui est arrivée à l'Église premièrement, je me souviens quand on venait tout juste de la rencontrer, je lui ai dit, Lisa, attends-toi de vivre la bonté de Dieu. Est-ce que tu te rappelles de ça, Lisa? Attends-toi. J'étais dans un stationnement d'un magasin avec elle, avec son petit garçon qui était là. Et puis j'ai dit, tu es appelée à être bénie, tu es dans une terre promise, Lisa. Amen. Tu es dans une terre promise et tu es bénie. Et la bénédiction te poursuit. Et Cédric, je dis la même chose sur toi, tu es béni. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous avez tous les deux pris la décision de servir le Seigneur. Vous avez tous les deux pris la décision de vous rapprocher du cœur de Dieu. Et on se réjouit aujourd'hui parce que nous savons, puisque vous êtes avec le Seigneur, vous allez réussir dans ce mariage. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est merveilleux. Si ce que je vous ai partagé aujourd'hui, si c'est nouveau pour vous, si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez le faire. Vous savez, la prière est très, très simple. Dieu vous demande, est-ce que tu veux me donner ta vie? Est-ce que tu veux être pardonné de tous tes péchés? Est-ce que tu veux que je prenne ta vie et que je fasse de ta vie un chef-d'œuvre? Votre prière, c'est « Oui, Seigneur ». Voilà. Si vous dites « Oui, Seigneur », vous allez pardonner, vous allez être adopté dans la famille royale de Dieu et en route vers le ciel. Et ensuite, vous entrez dans la communion des frères et des sœurs pour apprendre à vivre la vie chrétienne. Mais tout ça commence avec un « oui ». C'est simple, hein? On peut dire « oui » à Dieu, être pardonné, être adopté et être aimé. Et aujourd'hui, on célèbre l'amour, mais l'amour, par-dessus toute autre forme d'amour, c'est vraiment cette relation avec le Seigneur. Et c'est merveilleux aujourd'hui parce qu'on peut expérimenter son amour tous les jours, bâtir un foyer chrétien, vivre dans sa bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Donc, alléluia, on va maintenant procéder à l'engagement devant Dieu solennel. Donc, je vais vous inviter à descendre. On va descendre ensemble. Nous allons procéder pour le consentement.
on a beaucoup de tissus dans un mariage. Hein? Faut pas aller magasiner comme ça parce que ça serait compliqué. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est une journée très spéciale. Très spéciale. Donc, j'ai une question très importante maintenant. Qui donne cette femme à cet homme? C'est moi. Merci, merci. Le mariage sert à unir deux cœurs, deux vies et tous leurs intérêts, leurs désirs et leurs inspirations. On doit s'y engager avec réflexion et avec révérence devant Dieu. Donc, Cédric, je vais commencer avec toi. Et si tu es d'accord, tu dis oui, je le veux. Donc, première question. Veux-tu prendre Lisa, ici présente, comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage. Oui, je le veux. Puisque c'est votre intention de vous choisir mutuellement comme compagnons pour la vie, veuillez l'indiquer maintenant en joignant vos mains. Nous allons maintenant procéder à l'échange des vœux et au consentement devant Dieu, devant le Seigneur et devant l'Assemblée. Donc, on va commencer avec toi, Cédric. Tu vas pouvoir répéter après moi. Moi, Cédric, te prends Lisa comme ma femme et épouse. Pour t'avoir et te soutenir à partir de ce jour et à l'avenir. Dans les bons et les mauvais jours. Dans la joie et la bénédiction. Dans la santé et la prospérité. Pour t'aimer et te chérir. Dans l'abondance. Tant que nous vivrons tous les deux. Selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. Te prends Cédric comme mon mari et époux pour t'avoir et te soutenir à partir de ce jour et à l'avenir, dans les bons et les mauvais jours, dans la joie et la bénédiction, dans la santé et la prospérité, pour t'aimer et te chérir dans l'abondance tant que nous vivrons tous les deux. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. Je t'ai invité à faire tes vœux, présenter tes vœux personnels. Bonjour toute la salle. Lisa, le premier jour que je t'ai vu, tu as touché mon cœur. Le premier jour, quand on a commencé à se fréquenter, se voir, tu m'as conduit vers la porte du Seigneur. Tu m'as mené dans cette église. À partir de cela, tu m'as appris, tu m'as dit qu'il faudrait que j'aille confiance en Dieu, que j'ai mis mon espoir en Dieu. C'est toi que tu m'as appris ça. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que tu me dis ces mots-là, de plus en plus, je vois que ce qu'on dit, qu'avoir la foi, la confiance en Dieu, là, amen. Je te dis, je te rassure que ça marche. Pour juste que amen. Je me présente devant toi aujourd'hui, c'est pas pour à travers ma force, c'est à travers que la foi que tu m'as toujours dit d'avoir la foi. Amen. Wow.
je n'avais aucune idée que tu devais être autant déterminé à mon sujet. Chaque jour, je réalise c'est quoi la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Comme je t'ai dit au début, si tu m'aimes, il faut faire de Dieu une priorité dans ta vie. Amen. Et tu as accepté. Que ce même Dieu soit une priorité dans notre couple et dans notre vie. Tu es une personne enseignable, tu as tellement de belles qualités, que tes limites ne comptent plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, je déclare que je t'aime et je prendrai soin de toi dans toutes les circonstances jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cédric, s'il vous plaît, mettre l'alliance au doigt de Lisa et répétez après moi. Ok, tu peux le mettre au doigt. Donc, tu répètes après moi. Avec cette alliance, je me consacre à toi et je te donne mon cœur. Je dis avec fierté au monde entier que tu es ma femme. Mon épouse, celle que j'aime, maintenant et pour toujours. Naomi, tu peux maintenant t'approcher et remettre l'alliance à Lisa, s'il te plaît. Merci. Donc Lisa, tu peux remettre l'alliance sur le doigt de Cédric et répéter après moi. Il a mangé de la poutine hier soir. Toi, tu peux répéter après moi, Lisa. Avec cette alliance, je me consacre à toi et je te donne mon cœur. Je dis avec fierté au monde entier que tu es mon époux, celui que je chéris, maintenant et pour toujours. Amen. Ce que Dieu a uni. Amen. Vous pouvez joindre vos mains ensemble. Père éternel, je prie maintenant que personne puisse séparer ce que tu as uni. Je déclare la bénédiction de l'Éternel sur ce couple dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que ces anneaux soient des souvenirs et symboles de l'alliance que vous avez faite en ce jour. Étant donné que vous, Lisa, et vous, Cédric, vous avez consenti tous les deux au saint état du mariage, vous vous êtes engagés l'un envers l'autre et vous l'avez déclaré publiquement par l'échange des alliances, par l'autorité qui m'est conférée en tant que ministre de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est avec joie que je vous déclare mari et femme. Thank you.
Donc maintenant, nous allons procéder à la cérémonie des bougies. En fait, vous voyez deux bougies et une bougie au centre. Chaque bougie représente la vie individuelle, mais comme ils viennent de s'engager pour la vie, maintenant ils ne font qu'un. Donc vous pouvez maintenant unir vos flammes. Pasteur Caroline, pasteur Yvan Roux qui vont également venir signer. Merci aux témoins. Merci. Donc, en terminant ce mariage, je vais déclarer la bénédiction mosaïque selon Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que sa bénédiction constante couronne votre union de joie. Amen. On va prier pour vous. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour Lisa, pour Cédric. Merci pour ta bénédiction sur ce mariage que nous déclarons dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter pour la première fois nos nouveaux mariés, Lisa et Cédric. Thank you.
Oui, vous pouvez faire.
Bon. Cédric. Je démarre à fond. Valentia. Cédric, tu ne lèves pas, tu n'as pas la route, va te suivre. Attachez-vous les enfants. Regardez ici. Allez-y, continuez. Ma boîte pas venue là. Ma boîte pas venue. Ah. Il est né là, Guy. Ramène le toit, il est. Hein? Le salon. Parle à ma place. Je suis un chanteur. Je resterai le même. Triomphe du jugement, triomphe de l'amour, oui l'amour
Vous pouvez vous placer là. Allô? Vous vous placez là, les coupes. On se place. Mais à distance. En couple, en couple. Invite-moi à prendre une photo avec toi. Viens, viens, viens. Il va parler, il va gueuler dessus. Mais moi je vais la compter aussi dans la. Viens dans les talents photo. Merci. Hop. C'est qui disait qu'on peut passer au Canada? Grand. Yeah, yeah, yeah. You my people. C'est fixe. Ouais. Okay. C'est okay. Normal. C'est bon. La photo. Vous savez, vous en tout cas. Les garçons, enlevez vos vestes. Les garçons, enlevez vos vestes. Enlevez vos vestes.
On allait pour le vrai, j'avoue. Les talons sont plus sales. Jesus! Quel enfant sur ma tête. Je vais tomber, moi, il y a de l'enfant, tu savais. Attention, il est chaud! Pour toi, je suis prêt à tout. Pour toi, j'attendrai encore. Pour toi, je ferai des efforts. Ton amour plus fort que moi. Pour toi, si je me suis décidé. Pour toi, je m'éloigne de tout. Pour toi, je garderai mon cœur. Reste ensemble. Avec toi, j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai banni la crainte. Avec toi, on franchit une miraille. L'assurance, Jésus m'a donné. Toi, je rendrai pas les mains à ceux qui on fait mal à mon cœur. Grâce à toi, je les ai oubliés. Tu as su rejoindre mon cœur. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Et nous soutiens, restons ensemble. Je viens te dire, je t'aime, j'ai pas trouvé d'autres mots, je t'aime, chérie, tu m'as pris mon cœur, je t'aime, m'aboya fobimisa, ma gamme de kakala, salam à confiance, je t'aime comme un enfant, je t'aime et toutes mes forces. Je t'aime, Dieu connaît mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je t'aime comme une rose. Je t'aime, mon adoré. Je t'aime comme une fleur. Jésus l'arbre, sans lui on sait. Ben vidé, il va vous trouver. Bien vu. On le voit tout ça. C'est ben vidé, je vous en prie. Oh, on a pas pris des photos seules. On va gagner du temps là. Vous ne restez pas beaucoup. Alongolinga na solitude. Zelanga na kosonga. Alongolinga na seliba. Pinga sipe na kosonga. Pinga na yo na kosonga. Tinda kiso na kosonga. Loka na yo na kosonga. Fina misu na kosonga.
Yeah.
Cédric et Lisa, vous êtes prêts pour les jeux? Yes! On va pouvoir s'amuser. On va faire un jeu où il y aura beaucoup de bisous. Ça va être intéressant, vous allez voir. Le jeu des bisous. Le principe de ce jeu est très simple. On va poser des questions aux mariés pour voir jusqu'à quel point ils se connaissent. Il y a des questions pièges aussi. Et ils ont deux pancartes. Vous pouvez nous montrer vos pancartes, Cédric et Lisa. Yes. Ils ont des pancartes, vous lisez bien, avec leurs prénoms, Cédric et Lisa. C'est de savoir. Je sais que vous avez bien passé du temps ensemble déjà, hein, on vous connaît et tout. Et est-ce que pendant ce moment, vous avez remarqué d'être entre vous deux, lequel bavarde le plus? Alors, oui, ce n'est que la première question, hein. Alors, on attend vos réponses. Lequel bavarde le plus? Qu'est-ce que Lisa dit? On attend la réponse de Lisa. En plus, elle-même reconnaît que c'est elle qui va avoir le plus. Il y a un match, donc un bisou. Un bisou. Que c'est beau, n'est-ce pas, de se marier, c'est super. On va passer à la seconde question. Franchement, ce jeu, je l'aime bien parce que quand on vient au mariage, généralement, très souvent, la partie où le public est le plus concentré, c'est quand les mariés vont faire le bisou. Vous entendez derrière un bisou, un bisou. Donc là, je crois que vous en aurez un jusqu'à la fin. Il y a 10 questions au total, donc voilà. Bien. On passe à la seconde question. Bon, déjà, on retient que entre les deux, c'est Lisa qui bavarde le plus, entre guillemets. Donc, bon, c'est tout de même un peu normal. Enfin, on dit souvent que, mais bon, ça c'est en parenthèse. Question numéro 2, c'est juste pour les techniques, hein. Qui est le plus jaloux? Qui est le plus jaloux entre vous deux? Ça, c'est une question un peu... Je vous avais prévenu, hein. On attend les réponses des deux mariés. Qui est le plus jaloux d'entre vous deux? On attend... montrez vos pancartes. C'est les deux? Ok. Ça me dit mieux, il y a encore match? Ou bien si... Ok, est-ce que... Il n'y en a pas? Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas? Vous êtes équitable, hein? C'est genre bien droit, hein, si. Ok. Bah, il n'y a pas de plus jaloux, mais c'est super, hein? Applaudissez pour eux quand même, hein? Super. Ok, on passe à la troisième question. Qui est de savoir, hein? Cette question-là est un peu. Mais bon, on y va. Qui a le plus gros appétit? Qui mange le plus entre vous deux? Alors, on attend la réponse des mariés. Qui mange le plus entre vous deux? Il y a encore match. Un bisou! Je sens qu'il y aura des bisous jusqu'à la fin, hein? Tellement ils se connaissent. Ok, on passe à la cinquième question. C'est la quatrième. Comptez avec moi, s'il vous plaît. C'est la quatrième, n'est-ce pas? C'est la quatrième, n'est-ce pas? C'est la quatrième. Est-ce que tout le monde est avec moi? C'est la quatrième question, hein? Ok, voilà, super, on y va. Accrochez-vous, hein, parce que ce qui vient là. Bien. La quatrième question. Qui danse le mieux? Ha! Qui danse le mieux?
On attend la réponse des mariés. Ok. D'accord. Donc il y en a, il y a une partie qui dit Lisa. Et vous savez, c'est très simple. On va juste demander une démonstration. Allez, encouragez-les s'il vous plaît. Encouragez-les, ils vont se lever, ils vont nous faire une petite démonstration de quelques minutes. On va tout de suite voir ça. S'il vous plaît, allez. Allez, avec moi. DJ, est-ce qu'on peut avoir un petit son juste pour que on va voir nos mariés, hein, esquisser quelques pas de danse. Applaudissez-les s'il vous plaît. Des ovations pour eux, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont très jolis. Super génial! Applaudissez pour eux s'il vous plaît, applaudissez pour eux, accompagnez-les jusqu'à ce qu'ils aillent s'asseoir sur leur demeure, enfin sur leur chaise s'il vous plaît. Des ovations s'il vous plaît, allez, c'est un joli couple! Ils ont été superbes. Ils ont esquissé des pas de danse vraiment. Ah, fallait voir Cédric, hein, il a fait de jolis pas. Encore une fois, s'il vous plaît, aidez-moi à honorer ce joli couple. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Ok, that's good. Ok, est-ce que vous êtes bien installés? On pète la forme. On va continuer les questions. Il y a une très belle démonstration, donc je pense que hein, finalement c'est équitable, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est équitable, non? Je danse bien? Super! On passe à la question suivante. C'est la question numéro 5. Et on va savoir qui est vraiment chaud bouillant en crise là. N'est-ce pas? Voilà. La question est de savoir, bon, on va laisser monsieur boire un peu d'eau. Hein. Voilà, là, la question est de savoir qui est-ce qui brille le plus. Voilà, qui brille le plus entre vous deux? Oh, applaudissez pour la madame s'il vous plaît, applaudissez pour elle. Oh mais c'est super, il y a un match donc, répétez après moi, un but. C'est super. Ok, on va passer à la question suivante. Ah, ça... j'aime bien cette question en particulier. La question est de savoir qui gère mieux l'argent. Ah, ah. Qui gère mieux l'argent, entre vous deux. On va savoir ça aujourd'hui. Qui gère mieux l'argent? Ok. Ah, madame dit que c'est les deux. Monsieur dit que c'est Cédric. Ok, il y a quelqu'un qui propose un bisou pour départager les deux là.
Bon, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a un match parce qu'il y a Cédric et Cédric ici. Donc, un bisou, n'est-ce pas? Si vous voulez un bisou, applaudissez pour eux, ils vont faire un bisou. Voilà, un bisou. Super. On avance les questions et... Aïe, 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 ça avance bien. Ok, on est passé à qui prie le plus, à qui gère mieux l'argent. Et maintenant, on veut savoir, entre vous deux, on veut bien savoir qui est le plus amoureux. Qui aime plus l'autre, qui est le plus amoureux. C'est ce qu'on veut savoir. Alors, la réponse des mariés, suspense. Ok. Ok. Tantôt c'était madame qui montrait les deux, maintenant c'est monsieur qui monte les deux. Bon, dans tous les cas, il y a match, n'est-ce pas? Parce que il y a Lisa, il y a Cédric et Cédric par-ci, par-là. Donc. Naturellement, il y a. Mais je vous attends, dis. Bah, c'est pas moi, je vais le dire tout le temps. Il y a quoi? Un bisou! Voilà, un bisou! Super! Ok, ça c'est très merveilleux. On poursuit la liste de questions, il y en a 10 au total, hein, vous avez quand même réussi. Hein. On voit quand même qu'ils se connaissent bien, n'est-ce pas? Quand on voit les réponses, on voit qu'ils se connaissent bien. Ou bien? Allez, je vous... Est-ce qu'ils se connaissent bien? Je veux entendre oui de votre part, allez! Voilà, c'est bien, ok? On continue les questions. Et on veut savoir... Tantôt, on avait posé la question de savoir qui mange le plus, n'est-ce pas? Là, on veut savoir qui d'entre vous deux aime le plus manger africain. Qui aime manger le plus africain? Ah bon? Oh, oh! Ok, donc madame aime beaucoup plus les plats africains. C'est super! Dans tous les cas, ça nous avantage. Il y a match, donc un but! Voilà! C'est super, ok? On était à la question numéro 8, on va passer à la question numéro 9. Je vous conseille de bien vous asseoir pour la question numéro 10, parce que c'est fermé, donc... Ok, la question numéro 9. Oh, elle est un peu simple, selon moi. Mais après, selon vous, ça je ne sais pas. Ok, la question numéro 9, c'est de savoir qui veut le plus d'enfants entre vous deux. Ah, qui veut le plus d'enfants? Suspense. Et bien. Ok, on voit que les couples, le couple en question, il veut beaucoup d'enfants. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Ils n'ont pas de limite, hein. Tant que Dieu donne, ils reçoivent. Il y a match, donc, un bisou. Voilà. Super. Ah, ouais, ça c'est joli, ça. J'aime bien ça. Ça, c'est un très beau couple. En plus, ils se connaissent bien. Super. Ok, la dernière question. La question numéro 10, ça parle d'engagement, hein. Est-ce que vous voulez entendre la question numéro 10? Est-ce que vous voulez entendre la question numéro 10? Non, je ne vous sens pas encore. Est-ce que vous voulez entendre la question numéro 10? Applaudissez très fort d'abord, et puis je vais vous donner la question numéro 10. Super, ok, on y va. La question numéro 10. La question numéro 1-0. J'ai bien envie de la donner tout de suite. Ah, on entend du bruit là-bas, c'est parce que ça va chauffer, hein. Ok, la question numéro 10, c'est de savoir qui s'engage à payer le premier voyage du couple. Qui s'engage à payer le premier voyage du couple? Qui s'engage? Qui d'entre vous deux s'engage à payer le premier? Non, il n'y a plus de... Non. C'est une réponse. Qui s'engage à payer le premier voyage du couple? Ok. Les deux s'engagent, mais c'est super, applaudissez pour eux.
C'est très bien, nous vous remercions d'avoir participé à ce merveilleux jeu. Vous êtes un couple sublime, que Dieu vous bénisse. On va demander au Didier de donner un tout petit peu de musique le temps que nous puissions savourer ce que nous avons sur notre table. Que Dieu vous bénisse, à tout à l'heure.
Moi, jamais. Quoi? À Lyon. Avec vous, les hommes, j'ai tout un sac à prendre. Tu as déjà vu quoi? Et vous, les femmes? Si, je viens de vous, sans cette histoire.
même parce que je vis à rien de ta si un jour je suis rabattu, l'amour s'en ira. Même parce que tu me vois à la télé, ça c'est le jour que l'autre pleure va occuper, l'amour s'en ira. Je t'aime pour ton bon succès, ça c'est le le succès est un peu fini, l'amour s'en ira. En amour, la voix d'intérêt, c'est pas comment ça vient, on sait pas comment ça va. On est mal posé, tout en amour, c'est comme ça. Hey, oh no, y'a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on sait pas comment ça va. On est ma poissée, tout en amour, c'est comme ça. Bébé, je t'aime, ma poissée, tout. Thank you.
Merci. Après, il dit bon. Ils ont également le couteau.
est-ce que le photographe et le caméraman, est-ce que tout est prêt? Bien. Voilà, ça c'est une cérémonie solennelle. Donc, vous allez nous aider, nous allons faire un petit décompte. Aujourd'hui le 5, n'est-ce pas? Donc nous allons commencer par 5 jusqu'à ce qu'on arrive à 0 et puis ils vont couper le gâteau. On est à 3, 2, 1, 0! Des applaudissements s'il vous plaît! Nous allons également demander aux filles et garçons d'honneur de venir vous tenir compagnie pour cette cérémonie, pour aider le couple qui sont en train de prendre départ de ce merveilleux gâteau. Je vous invite encore une fois à applaudir pour eux, s'il vous plaît. Des ovations. Avant, nous allons simplement vous demander, s'il vous plaît, de faire face à vos invités pour que vos invités puissent vous voir, pour qu'ils puissent vous apprécier, à quel point vous êtes beau et belle, à quel point vous êtes glorieux. Voilà, ça c'est super. Bon, on peut continuer la cérémonie. Et on va emmener le gâteau de notre côté, s'il vous plaît, les gâteaux, les garçons d'honneur. On va l'emmener un peu par là pour le découper. Et on va pouvoir servir tous les invités. Mais on va faire comment on va le couper. Bon, on va couper le gâteau au milieu. Ça va être original. C'est bon. Est-ce qu'on peut avoir des jeunes filles pour la découpe du gâteau? Les filles qui font le service.
Sabrina Drummondville. Faites du bruit, Drummondville, vous êtes de quel côté? Bonsoir, Drummondville. Ça va être à votre tour. On peut remettre la musique.
Marie du Marié. Et nous allons inviter. Thank you.
Sangre, 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 s
Rémi, toujours number one. Oh, dear, so we did it when the moon came out.